Bonjour, c'est Kadi et bienvenue sur Kadi Gaming pour l'épisode 17 du Let's Play de Arc Suprême en compagnie de Rick et TVH. Coucou. Et on se reprend, non pas de jour comme d'habitude, puisque là il est de nuit forcément, donc c'est pas le jour. Mais surtout parce qu'il y a un événement imprévu qui s'est produit alors qu'on n'était pas prêt à faire une vidéo, qui fait qu'il y a une abeille boss qui a pop. C'est bien que c'est aléatoire, hein, quand on tue des abeilles, en fait aléatoirement il y a une boss qui peut pop, tout comme les gachas. Et on a fait une vidéo d'ailleurs sur les gachas qui était un peu longue d'ailleurs. On a un peu de mal à trouver le boss, enfin, parce que c'est aléatoire. Et là, en l'occurrence, eh ben, il y aurait une abeille boss. Alors, je ne l'ai pas encore vue, moi, parce que on m'a donné un gigano qui va servir pour le boss prime, boss bleu. Et normalement, il est sur moi. Donc, on va utiliser celui-là. Normalement, il devrait être largement assez fort pour taper dessus. Hein. Je vais juste tenter d'aller voir où elle est. Parce que là, je ne vois absolument rien. Elle est juste sur ta gauche. Elle a sa selle aussi sur lui, c'est bon. Juste sur ma gauche. Ah oui, il est là, effectivement. Ah oui, on voit son gros cul. Hein. Bon, on va la bouffer. Alors, et par contre, on fait les manins, mais imagine qu'on a tout quoi. Attends, pourquoi j'ai gagné? Je l'ai fait, moi, avec un Rex Apex. D'accord, je me disais, j'ai un cristal, mais c'est toi qui as grillé, en fait. Un Rex Apex, oui, donc, je pense que là... Alors, on la voit pas bien. C'est pas grave, on va crever dans un instant. Voilà, il y a des VH en plus par-dessus. Ouais. Un, deux, trois. Ce sera un avant-coup, avant le boss. Elle a votre mignonne. Eh, il y a une petite abeille derrière toi, ouais. Il y a une petite abeille bleue là. Ouais, il y en a. Qui est partie d'ailleurs, parce qu'elle a dû se dire, oh là, ça pue du cul. Il y en a plein, regarde, il y en a plein qui pop. Et elles sont braillées en arrivant. Alors, j'ai enlevé le E2, on la voit pas trop ouais, l'abeille, si on la voit vite fait là. Je vais faire le tour en fait, histoire qu'on puisse la monter. Déjà graille. Et l'abeille bleue. Voilà. Donc, normalement, sur nous. Ça me paraît très logique. On pourrait avoir je sais pas combien d'abeilles, puisqu'il y a toutes les petites qu'on pop. Non, non, ça, celle-là, elle donne rien. Elle donne de la viande, c'est okay. Tout. Et j'ai bien une boss une summon elixir. Ouais, oui, voilà. Donc je l'ai bien. J'ai même un peu de viande. Visiblement, en fait, l'abeille, elle en avait pas l'air, mais elle avait des jeux de gigots sur elle. Elle avait de la viande crue. Oh, l'abeille, c'est là ou une autre, de toute façon. Hein. Qu'est-ce qu'une abeille a de la viande crue sur elle? Mais voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire, les viewers, on va se faire une ellipse le temps de se préparer pour le... l'objectif de cette vidéo, à savoir le boss Prime, qu'on sait pas à quoi il ressemble. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'on a des gros giganos à lui envoyer dans sa gueule. Et c'est ça qui va être super marrant. Donc on s'est un ellipse le temps de tous les rassembler, parce qu'ils sont tous prêts, il n'y a plus qu'à les positionner, et on va se faire cette attaque de boss en espérant que cette fois ça se passe bien, parce qu'encore une fois, hein, ça se passe mal, les viewers, on rage quitte nous, hein, c'est réglé. Hein. Mm-hmm. Non mais sans déconner, parce que vu le temps que ça met, les giganos, enfin... Je vous dis, hein, les viewers, c'est insane. Le plus long, en fait... On est en x20, pourtant. Ouais, on est en x20. Le plus long, en fait, c'est vraiment de qu'ils reprennent leur vie, de les faire pex. Parce que la reproduction, encore, ça va, c'est pas si long que ça, parce qu'on est en x20. Mais ouais, en x20, c'est quand même 2 heures l'œuf. Oui, voilà, c'est ça. Après, ouais, la mais ça va. C'est pas trop... C'est pas l'horreur, quoi. Donc, bon. Après, il faut qu'ils grandissent, etc. On va passer les détails. Donc, du coup, on se fait une ellipse, et puis on se reprend dès qu'on est prêt à taper sur le boss. Allez, ellipse. Et voilà, on se reprend, alors qu'on voyait, on voit la base de loin, c'est magnifique. Et on voit aussi les queues des giganos qui sont en train de battre le rythme, là, parce qu'on va les faire déguster. Oh la vache, le nom qu'il y a. C'est vrai que quand je mets en position comme ça, c'est abominable. Donc là, normalement, il y en a 40, hein, c'est ça? C'est ça. Ou 39, entre ouais, 9 ou 40. Il y a une, quarantaine, il faudrait qu'on compte, mais... Ouais. Il y en a au moins 39. Et ils sont tous prêts à sortir leurs dents sur ce qui va pop. Je sais pas ce que ça va être, j'espère que ça va pas être trop petit. Parce que sinon ils vont tous se bousculer, on pourra pas taper dessus. Ouais, j'espère que ça. Comme le rhino. Le rhino c'était compliqué là. Hein. Ils étaient tous en train de suivre, mais. Alors heureusement, on a quasiment pas perdu avec le rhino. 4, 5. Oui, voilà, 5. Oui. Donc t'as 5 sur les 40, ouais. Moi ça me dérange pas. Ce que j'ai peur, c'est que les 40 soient rasés. 3 Rex et 2 Stego ou l'inverse. Et là, on va morfler hein, si c'est le cas. Bon. Je on lance. Fait pop le boss. Ouais, vas-y, lance le boss. Par contre, j'espère qu'il va pas se coincer, je sais pas comment, qu'il va pas s'envoler, qu'il va pas nager, je sais pas, ça dépend ce que c'est. Mais j'espère que ça va bien se passer. Nous on tape contre des fous, hein, et j'espère qu'on va pas tous se bousculer. Ça va être une deuxième rangée au cas où derrière, hein. J'espère qu'il y a pas trop de dégâts en fait. On arrive à taper parce qu'on tape plus fort et plus. Bah, le pire qui puisse se passer, c'est qu'il fait des dégâts de zone et que nous on n'arrive pas à tous à taper en même temps. Du coup, il y a des giganos qui sont perdus et en plus il nous les fait kill en plus. Ouais. Wow, putain, c'est des swarms. Okay.
Alors, je sais pas s'il y a tout le monde derrière qui tape ou pas. Genre, je vois pas. Alors, ça me dit quoi là? Ça me dit quoi? Ah, il a des choses sur lui. Il a des choses sur lui, hein. Il morfle bien. Il morfle bien. Yes. Ah oui, là, il morfle bien. Alors, du coup, nous, on morfle aussi. Ça va être tendu. Ça va être tendu. J'espère qu'il n'y a pas trop de bestioles chez nous qui vont mourir. Ça va être tendu cette histoire. Parce que le mien a pris très cher. Le mien est bien en sang. Allez. La joie, il est bien ensemble quand même, le boss, il est bien ensemble. On morfle tous, mais il est bien ensemble. Allez, vas-y, on termine. Allez, on dit, putain, nous aussi, la vache. Il est vachement ensemble, putain. C'est bon. Allez. Ouais, c'est bon. Yes. Bon, alors on a perdu combien? On a perdu 5 ou 6, hein, c'est ça? Ouais, peut-être même pas. J'en bon, hé. 3. On a perdu 3. Attends, j'ai combien de vie là? Mon dino? Alors oui, mon dino ça va, il y aurait 5 millions de vie. Un million de PV, j'en vois là quasiment tous. Alors, non, il reste intact. 5 millions, ça va, sur les 15 qu'il avait. Les midlife, ça va, ouais, ça va. Il reste 1 million. Hein. Moins, ça va, moins d'un million là, j'en ai un. C'est plutôt soft. Alors, ce qu'on va faire. Un demi-million. Il faudrait qu'on fasse aussi le summoner. La question est, est-ce qu'on... Non, là on peut pas, là. Ils sont pas en état, là. C'est mal barré, là. Ah, tout il faut... y a des fléchettes, moi, je suis tout très ça. Bien. Il faut qu'on aille ranger le bordel, les vieux, et puis il faut en même temps qu'on aille planter les graines, parce que les graines, c'est urgent. Avant qu'il y ait périm. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, les vieux, on va faire une ellipse, on va tout remettre bien. Tous les... On va en garder certains, je pense. Et puis on va régène ceux qu'on a besoin de régène. Et on va faire le summoner, hein, comme vous savez. Hein. À chaque fois, on le fait, de toute façon, le summoner, à chaque fois qu'on fait le boss. Et puis du coup, on se reprend bah, dès que tout ça est prêt. À l'ellipse. Voilà, on se reprend, donc on est dans la base. J'en ai profité aussi pour vous montrer les nouveaux fruits que la dame là, elle a sur elle, parce que là, les plantes ont poussé. Et donc désormais, on a des fruits élémentaux. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Il y en a 50, je vais les prendre, et puis je vais aller les placer, comme ça, du coup, on est bien. Là, c'est à pouvoir farmer pendant qu'on n'est plus là. Et ça, c'est top, parce que quand on va se coucher derrière, c'est toujours bien d'avoir quelque chose qui farme pendant qu'on dort. Donc, je mets ça ici, voilà, nos premières 50 fruits. Nos premiers 50 fruits, c'est ça. Et il y a aussi les fruits, mais il y a aussi le miel dont on a besoin pour faire des kibbles. Le miel qui est situé avec les... enfin, qui est situé. Qui est fabriqué... On en a dans le bench, là, ouais. Avec les abeilles. Les abeilles. Et les abeilles, pour ça, il va falloir les sortir. Pardon. Donc, on a des abeilles... alors, qu'est-ce qu'on a? On en a deux sur trois, de mémoire. Donc là, on a frost et électrique. C'est sûr. Et on n'a pas fire, hein, c'est ça. Je confirme, on n'a pas fire. C'est alpha. Ouais. Ok, fire on n'a pas, donc du coup bah, malheureusement on pourra pas faire du fire. C'est sûr qu'on n'a pas de... Ah si, on a des cristaux fire, mais on n'a pas le... D'accord, ok. On a même beaucoup de height fire, mais on n'a pas de d'abeilles. C'est pas grave, on va faire avec. Hein. Donc j'en prends On ira chercher l'abeille. Une là. Ce qu'on va faire, c'est les faire pop, les sortir maintenant, comme ça elles vont fabriquer du miel. Comme ça on va gagner du temps aussi, comme ça quand on reviendra... Mets-toi bien au milieu. Oui, je vais me mettre au milieu de la plateforme, et... parce qu'on sait jamais, des fois elles pop super loin. Donc je vais mettre ici. On va déplacer derrière. Elle est là. On l'a une. Et la deuxième? Elle est là. Ouh, elle était ouais. À la limite. Ouais, elle a failli sortir, ouais, ce que je voyais, elle était proche du mur là. Et ben, elles vont me suivre là, elles sont en train de me suivre. On va les mettre avec les autres, hein. Ah, ça, ici, ouais, vous êtes bien ici là. Attends, bougez plus. Paramètres de récolte, c'est pas ça, c'est une option. Désactiver dessus. Tout qui t'arrête. Et la deuxième, parce que je t'ai eu. Ah, je l'ai sifflé. Tu l'as sifflé, donc les deux sont arrêtés. Ouais, c'est bon. C'est bon, on a tous nos abeilles en même temps, comme ça fait moins de bruit. On les met là, comme ça font du bruit entre elles. Ouais, nous, on est pas met les ruches là-haut. Bon, enfin, il faudra qu'on mette les ruches aussi, mais ça, c'est encore une autre histoire. Ok, on nickel. On en a assez là pour l'instant au début. Ouais, c'est ça, bah il faut attendre un petit peu le temps que ça farme pour avoir assez de miel pour pouvoir faire la ruche, ouais, exact. Donc du coup, nickel, ça va pouvoir farmer pendant qu'on n'est pas là, ça c'est super, on va pouvoir passer maintenant au summoner. Alors le summoner, vous l'avez déjà vu dans les autres vidéos, les viewers, si vous suivez cette série. Donc ce qu'on va faire, bah, on va faire la méthode à l'ancienne, enfin l'ancienne, la seule méthode qu'il y a en fait, c'est-à-dire on grimpe sur le dino, et puis on tape sur les dinos que fait pop le summoner, en espérant ne pas claquer, en espérant qu'il n'y ait pas de bug, parce qu'on sait qu'il y a des bugs, on sait que des fois les dinos arrêtent de suivre, que les fusils qu'on utilise pour tirer sur le summoner ne marchent pas, donc là on espère que ça va bien se passer. Voilà, et pour ça, bah, je vais prendre un dino, n'importe lequel, on s'en fout, hein. Le mien, je sais plus lequel que c'est, donc on s'en fout, c'est pas grave. Et je vais enlever ces potions là parce que ça me gêne. Voilà, ça c'est fait. Et est-ce que j'ai assez de bouffe par contre? Ah, j'ai niveau bouffe, ça va être un peu limite hein, quand même. Au passage, puis ça va aller comme c'est bon. Ah, si, ça va aller. De toute façon, moi j'ai resté sur le dino, donc ça devrait aller. Ok, on grimpe dessus. Rick, tu peux y aller.
Ouais, attends, je m'assure bien que tout le monde est en neutre. Bah vas-y hein. Alors moi les commandes, tout ça, j'ai peur de faire une connerie, puis en plus ça marche de façon de... J'ai l'impression. Donc, alors déjà le dino que j'ai pris, évidemment. Je sais pas si j'ai de la chance ou pas, mais c'est le seul dino qui a mimé. Ah. Ouais, c'est pas grave. Non mais c'est pas grave, moi je le rangerai. Quand j'aurai que ça pue du cul, je le rangerai. Encore que j'ai pas de... Attends, j'ai pas de boule. Est-ce que t'as une boule vierge? Oui. Je veux bien parce que si... Bon, je descends prudemment parce que là, les giganos, là, quand tu tombes de trop, là, ça fait mal. Hein, c'est... Ah, déjà d'ici, ça me fait mal. Alors, t'es parti où? Je te... Alors... Ah, t'es là. Je suis derrière les arbres. Ah bah c'est bon, okay. Carbon, ouais. Donne-moi la boule. Comme ça, j'aurai le bonus en temps de frappation. Je vais quand même t'en donner... Attends, il avait des trucs sur lui, le gigano, là. Il avait de la viande. Hop, je t'en donne une autre, vierge. Hop, hop, t'as là, besoin. Attends. Excusez-moi. Et, ok, ça c'est bon. Nickel, merci. Ouais, tu remettras la viande dedans, du coup. Effectivement, on ne sait jamais. S'il y a un autre dino à ramasser, au moins je pourrais le ramasser. Ok, je le ressors. Du coup, là, moi j'ai le bonus parce que c'est moi qui l'ai sorti. Je remets sur lui la nourriture que je viens de lui enlever, enfin qu'il a laissé par terre. Et c'est moi qui paye les Yrik. Parfait. Ah oui. Alors, j'espère ne pas me mélanger. Parce que c'est l'autre problème aussi de Ark, les viewers. Hein, c'est quand il y a un bordel, enfin vous savez, quand il y a un bordel de dino tous superposés, c'est la merde. C'est la merde parce que du coup, on va bouger. Et là, j'espère que cette fois, il n'y aura pas de problème. Voilà, ils sont bien écartés. Ouais, mais derrière, ils vont tous se rapprocher au premier dino qui va pas. Déjà, il faut taper là, dès le début hein, sur la dame. Comme ça, elle fait pas le tour, elle se balade pas comme elle veut. Hein. Donc, moi, je vais la croquer là, si elle vient vers moi, je la croque. La dame, je pense, la dame, je sais rien. Tu t'es pas planté, hein, c'est bien le souvenir, c'est pas le bouchon, il n'y a pas les ressources. Il n'y a pas les ressources. Ah, là, l'avantage, c'est que c'est pas les mêmes. Donc, 80 millions de PV quand même. C'est rien du tout, ça. Le problème des PV là, c'est que ça veut rien dire. Il y a des fois, t'as vrai, ils attaquent pas, c'est moins ils attaquent. Oh là, oh là, oh là, oh, doucement, doucement, doucement. Alors par contre, les mégatériums là qui sont là, c'est peut-être des saloperies. Hein. Parce que les mégatériums, par définition, ils sont costauds. Ils ont de la défense, ils ont de la vie. Donc attention à pas perdre nos dinos. J'espère qu'on va en sauver au moins la moitié quand même. Enfin, pas de zéro. Est-ce que tu en as gardé quelques-uns quand même avant de tous les perdre potentiellement? Non. Ah, tiens, rate ça. Il est où le Megatherium? Il est où celui qui graille là? Waouh, qu'est-ce que ce bordel? Il est où le Megatherium? Attends, il est où? Il tape, quelqu'un. Je sais pas ce qui se passe, mais rate ça. Ah, il y a un gros bug là. Il y a un Megatherium qui veut pas se grailler là. Oui. Et les autres ne réagissent pas. Ils font rien là, il est là-bas et ils font rien. Bah, il est où en fait? Je vois pas. Bon. Ils l'ont trouvé, je crois. Eh mais attends, mais il y a un gros problème quoi. Attends, le problème c'est qu'on peut... Derrière, il y a un Carnot aussi là. Il y a un autre Megatherium là qui est là. C'est pas un Megatherium, c'est un... Enfin, c'est un Gigano. Gigano Piticus, donc un singe. Eh mais comme quoi on a déjà perdu 5 Gigano avec un putain de Megatherium quoi. Eh il va falloir surveiller hein. Il va falloir surveiller que ça se reproduise pas parce que sinon on va tout perdre. Au pire c'est grave si on perd tout, Rick, il nous en reste ou pas? Attention à toi. Parce qu'au pire on flingue tout et puis c'est tout, on aura ce qu'on aura. Puis... De toute façon on va pas s'en servir. Mais il répond même pas aux commandes. Ah Megatherium là qui est sur toi. C'est toi. Bah t'es toi. Non ils répondent pas aux commandes en fait, y a un bug, bah ça les vieux ça on vous l'avait dit encore une fois. Hein. C'est que c'est ils sont dissidents quoi, j'espère qu'il n'y en a pas un autre là-bas qui est en train de flinguer nos dinos. Parce que je sais, mais attends, le Megatherium ça tape pas aussi fort que ça, y'a un problème aussi. Ouais. Le problème, c'est pas normal que ça tape aussi fort que ça. T'as en compte un Megatherium qu'on a flingué 5 à lui tout seul, attends. Enfin, 5, je t'ai dit 5, c'est peut-être 10, j'en sais rien. Hein. Bon, bref. Attends, après, si on est deux, c'est quoi? On est que deux, Rekka, moi, tu vois. Je pense s'il y a deux, en fait, on fera un peu plus de dégâts. Ah, c'est bon, ils viennent tous, c'est bon, là, ils attaquent tous. Megatherium? Pas de Megatherium, en fait. Ça, je l'avais dit tout à l'heure, Megatherium, c'est plus. Voilà. Ah, et puis je peux même pas tirer dessus. Il reste un Carnot. Alors, c'est un Carnot froid, ça pour moi. Non, pas une Carnot, non, il y a une tête de Carnot, non, c'est bon. Je l'ai graillé, donc du coup, je vais pouvoir réagir un petit peu. Ah, il s'est téléporté, je sais pas où. Bah, il est dans le ciel, il est au-dessus de toi. Tu vois pas? Ouais. Ok. Bon, fais attention parce que là, il y a des giganos là-bas, il faudrait peut-être les ramasser parce qu'ils sont en sang. Hein. Je sais pas si tu les vois. Tu veux que j'y aille? Attends, ah, là, ça pop avant. Je peux pas m'occuper des giganos, et puis je suis bonheur. Ouais, ça va pas bon, attends, faut latter ce qui pop là parce que on va se faire avoir.
Allez, alors là, là, y a deux mégatériums. Qui sont partis taper sur leur propre araignée au passage. L'araignée sur laquelle Capop aussi avec eux. Attends, il y a deux mégatériums, Rick. Là, par contre, là, je suis dans la merde. S'il y en a deux. Ah, c'est bon, ils viennent tous, c'est bon, ils viennent tous. Ah, bon, les temps, ils viennent tous, attends. Ils viennent tous, ils vont pas les grailler. Qui les tue, hein. Qui les tue absolument, hein. Ouais, c'est bon, ok, c'est bon, nickel. Le premier, c'est moi qui l'ai tué, le deuxième, c'est eux qui l'ont tué. Donc ça, on s'en sort bien. Mais ouais, ouais, là, je vais en ramasser. Elle est plus en son volonté, en fait. Non? Oh putain, il y a l'abeille qui a suivi. L'abeille, laquelle? Electric, Odibi et Frost. Oh putain, la chaleur, elle vous attaque. Je veux dire, il n'y a pas de mégatérium, donc ça va. Oula, si, un mégatérium, il y a un mégatérium. Tapez-le, hein. Vous le tapez, hein. Oui, il va bien. Tout va bien. Ok, je vais ramasser un autre. J'ai deux boules sur moi, Rick. Je vais ramasser un deuxième dino avec. Hein. Là, ça veut pas tirer. Ah, c'est pas fort. Ok, moi j'ai pris des dégâts. Oh la vache, j'avais pas vu. Alors, vous savez quoi, les viewers? On va juste. Voilà. J'en ai un deuxième. Au pire, on en aura deux, hein, qui sont mal barrés, mais ça va les laisser parce qu'on sera graillés en deux secondes, de toute façon. Bon, c'est parti, c'est bon. C'est parti, allez, graillez-les, hein. Attends, là, par contre, j'ai pas vu la mort. Je crois qu'ils sont en dessous. Et qu'ils bougent plus. C'est bon. Ils sont graillés, hein, on est d'accord, hein. Y'a pas de mégatérium qui reste. Ouais, je sais pas, je le vois pas. Je suis concentré sur autre chose. Y'a un gigano qui est tout là-haut, au passage, hein, avec une selle, qui est sur la montagne. Avec une selle. Ok, je le vois pas, mais. Bah, il est sur la montagne. Derrière le summoner. Là, il y a un Rex qui va crever. Parce qu'il est juste devant et à tous les coups, il va s'attaquer à ça. Et il est mid-life. Ouais, ça. Mégatarium, encore une fois. Mégatarium, hein. Ou si on graille le Mégatarium, il est à droite. Graillez-le. Allez-y, hein, continuez. Ah, c'est bon, je l'ai eu. C'est moi qui l'ai eu. Ouf. Voilà, il a le gigano qui revient. Pourquoi il revient le gigano? Allez, essaye de taper. Je l'ai vu sauter, ouais. Il a essayé de grailler le truc au passage. Alors il en est où la bestiole au passage? Parce que moi je ne fous absolument rien, je ne tire pas dessus. Un tiers de vie. Il lui reste un tiers de vie. C'est bien. Cool. Raté. Loseuse. Ouh. Elle a raté son tir. Elle est en train de morfler là, c'est bon, là j'ai vu morfler encore. Allez les giganos, allez. Mégatérium en premier, on sait pas battre. Et on essaye d'éviter de crever, hein, si cela pouvait rester à 2 mégatériums. Oh la vache. Ah, la direct mantis. Mais bougez là, bordel. Bougez, il bouge plus. Non, il bouge plus, c'est bon là. Il y a des mégatériums. Je sais que je pense dessus. Hein. C'est bon, c'est bon, il bouge un peu. Il se rend morflé, mais le problème, c'est qu'il est capable de tuer un deuxième gigano. J'en ai tué un déjà. J'en ai tué un. Il en reste un. Je sais pas pourquoi il bouge pas. Il en reste un là. Il en reste deux. C'est bon, il en reste deux. C'est bon, j'en ai tué un autre. C'est bon, les deux sont morts, c'est bon. Je sais pas, les mégatériums, c'est vraiment comme s'ils ne détectaient pas. Hein. Ouais, ça marche qu'avec le mégatérium, t'as remarqué? Allez, cette bestiole, on essaie de la tuer, Rick. Alors, je sais pas, on a combien de sang, mais tant pis. Nos gigantes ont pris tellement cher. J'essaye de les heal en même temps, là, mais. Non, laisse tomber le heal. Il en reste quelques-uns, ça suffira, et puis basta. Un gigano qui sont morts. C'est mégatérium qui fait la. Ça tout sur le table. Ça tape tout en même temps. Mégatérium à droite! Mégatérium à droite! Salaud! Il va tous nous tuer! Oh putain, c'est bon, il a tué déjà. C'est bon, j'ai graillé, je crois. Non? C'est bon, je l'ai eu. C'est bon, je crois. Putain, et heureusement qu'on est là parce que eux, sans nous, en fait, ils seraient morts depuis très longtemps, tous nos dinos là. Putain, on a perdu la vache, quoi. Même le mien, il est en sang, il est mal barré le mien. Non, il y a un bug avec le Mégatérium. Hein. Ouais, il y a pas un détecté. Bug. C'est que le Mégatérium, c'est un peu bizarre. Attention, ça va pop, hein. Le mien va morfler aussi, Rig, mais bon, je dis, c'est un parmi d'autres, hein, donc tant pis. Hein. Mégatérium qui attaque toi, non. C'est bon, non, j'ai tué la mantis, c'est pas le Mégatérium. Le Mégatérium qui nous aide, qui a tapé sur la mantis, bravo le Mégatérium de mon cul. La vie est en train de descendre, non, on va le baiser. Ah, c'est bon, j'arrive même pas à Allez, vas-y. Aller leur donner des ordres. Ouais, ils ont du mal, je sais pas ce qui se passe, mais là, ils sont tous en boule là. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais tant pis, on va changer de dino après, c'est pas grave. Ah, ils sont plutôt en bon état par contre, donc ça va. Ça qui est bien, c'est qu'ils sont en bon état. Attention à pas te crever non plus, toi, Rick. Ça serait cool. Putain, j'arrive pas à tourner parce que ça tourne comme une merde ce truc. Non, ça pop. Oh, ça pop sur eux. Allez, je vais dans le tas avec eux. Allez, on espère.
bon, on tape. Il y a Megatherium, Je vois. Ils sont à deux. C'est bon, ils attaquent, yes. C'est bon, ça attaque. Vous avez vu, hein, c'est petit peu dans la chance. Hein. Il y a une fois ça marche, une fois ça marche pas. Ah, je suis coincé avec l'heure là. Je peux rien faire. Tiens, combien de vie elle la connaisse hein, elle est c'est protégée. Hein. C'est bon, je suis cool. Ah, c'est bon, on va survivre. Là, c'est bon, c'est pas trop mal. Écoute, on aura perdu la moitié des dinos, mais sinon, il fallait qu'on farme. Hein. C'est juste qu'on leur fera pas. Ça pop sur moi. Ça pop sur moi. Des 15 millions, 14. Ça pop pile sur moi. Je pense que moi j'ai compris. Allez, si vous tapez un maximum, vous trouvez les lueurs. Ah, c'est bon, ils vont m'aider, c'est bon, ils m'aident, yes. Allez, Carkinos, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est grave. Il reste pas de dégâts derrière en dessous, hein. Là, je vais plus bouger. Moi, je vais leur donner des coups en plus. Elle est protégée, je crois. Hein. Elle est protégée. Je vois pas d'ici, plus avec les reflets et tout non, ça. Je crois qu'il est protégé là, je vois. Ouais, il y a une petite sphère autour de lui. Là. Ouais, c'est bon, il est protégé. Ouais, là par contre. Ouh, t'as fait mourir là, toi. Alors les viewers, je peux pas bouger les viewers donc. Si je peux pas bouger, j'ai changé de dino. Ouais, je vais siffler. Je vais bouger par là. Allez, vas-y, bouger. Ah, je peux pas bouger. Je suis tapé, hein, ça marche, yes. Bon, les giganous sont en plus, c'est de la viande. Il est presque mort, mais il est encore en vie. C'est le principal. Il reste plus que 10% ou 20% de vie au passage, mais bon. C'est mieux que je le garde en fait au final. Je crois qu'il est protégé, Larry. Là, il est pas là. Je vois pas le cercle. Ah, il est plus là. Ouais, là, il est plus, ouais, c'est bon. Là ça tire plus, là j'ai l'impression. Ça marche plus. Parce qu'en plus c'est bugué les viewers, hein. Des fois ça, on tire dessus, ça fait rien. c'est comme ça. Voilà, je suis prêt à taper. On tape. Oh les cardio, ça on s'en fout, c'est les cardio. Allez, il y a un Megatherm. Il y a un Megatherm, c'est bon, j'ai tout grillé, c'est bon, nickel. J'ai tout grillé. J'ai tout rien. Ok. Oh putain, ça fonctionne plus de nouveau. Attends, araignée, qu'est-ce que tu vois. C'est son bouclier. T'as pu le toucher là? Ah non, c'était bloqué. C'est pas grave, ça nous fera plus de viande, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Ah, en plus, je l'évite là. C'est bien qu'il me tire dessus en fait, comme ça il rate. J'ai vraiment plus de 10% de vie. Hein. Ah, c'est bon, là tu peux, là ça marche là. Je vois, ça saigne. Ah, ça a pop sur moi en plus, tiens à ça. Allez, petit dino, tiens le coup, mon grand. Tiens le coup. Megatherium, c'est bon. T'as la hantise, le Megatherium. Ah oui, c'est ça, moi c'est la hantise, parce que là, visiblement, il nous a flingué 6 dinos à lui tout seul. Et les Mantis nous ont buté 2 ou 3, je crois. Mais il y en avait plusieurs. Flingue cette saloperie, il a surtout là. Il lui reste combien de vie là du coup? Il y avait un, il avait plus de vie, il avait 70 PV qui restait. Bon, faut ramasser dans ce cas-là. Là, je l'ai ramassé. Là. Là, il y en a un autre qui est mal barré aussi, il a joué près de la falaise, très très mal barré. Alors lui ça va, 5 millions. 5 millions, bah, vu combien il est en sang, moi je suis mal barré aussi. Hein. Ça va pop. Attention les gars, soyez prêts. Prêt à taper. C'est parti. Putain, les 3 gigas de temps. Alors en vrai, ils sont pas très forts les gigas. C'est pas comme les autres parce que sinon... Et pas de Megatherium. Si, il y en avait un en plus, bâtard, il y en avait un. Non, c'est bon. Ok. Il y en a qui est parti sur la hauteur là, qu'est-ce qu'il fout là? Wow. Il y a un mec qui fuit là. Deux qui fuient. Il y en a deux qui cherchent en fait, j'imagine. En plus, il y a un. Il y a une saloperie là, il y a comment ça s'appelle, un golem aussi là qui est là. Prime. Et j'obtiens du Delta Crystal, donc là ça veut dire qu'il y a un Delta qui vient de crever. Bon bah là on va être tous à la taper dessus parce que tous les autres ils sont partis je sais pas où, sous l'eau, dans les cailloux, je ne sais pas. Donc ça va être pour ma gueule. Putain, 3 gigas. Ouais, 3 gigas. Allez, un quart de fou. Non, Rick a été mordu par un quart de fou. Ok, moi je vais pas tarder à crever aussi. Je vais tous les faire en fait tout seul, c'est ça la blague. Sans déconner, je les ai fait tout seul. Rick, je t'inviterai à repop dès que tu peux.
Oui, bah, je suis là. Je me doute que tu vas te dépêcher. Les Carnots sont sur la plage. Je pense qu'ils avaient envie de vacances. Là, on rate tout. Il reste combien de vie à Salopard là? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de prendre la Spike. Là. Ok, c'est pas grave. Les Giganos, les Giganos sont partis. Il y a 4 Giganos là-bas qui se baladent. Putain, mais venez, bande d'abrusis, au lieu de taper sur des deltas, je sais pas quoi là. Putain, ça va repop, je suis tout seul là, je suis tout seul. Enfin, y'a toi aussi, mais on est que deux là, parce que tous les autres en fait ils branlent rien quoi. À la tête! Putain, y'a oublié 2 Megatherium, là c'est fini. Là c'est fini, je pense que là le mien va mourir. Ah là c'est bon, les autres reviennent, c'est bon. Quelques-uns. C'est bon, les autres viennent aussi là-bas. De l'île, ouais, c'est bon, yes, ils reviennent. Bon, il faut vraiment tuer ces saloperies là. Recharge vite! Ah, ça veut pas tirer! Mais c'est quoi cette horreur? Bah, ça déconne, de toute façon, ce jeu déconne de base. C'est bon! Ah, t'as été tué par le. Ah non! Ah, c'est toi qui l'as eu! Oui, oh, oui, c'est bon. Bon, alors ça va, tu sais quoi? On se sort plutôt bien. On perd une dizaine. Maintenant, ils vont régénérer. Ils vont se reposer. Hein. Ils vont se reposer parce que là c'est mal parti. Hein. Ok. Les viewers, ce qu'on va faire, on va se laisser ici tout simplement. On n'a pas autre chose à faire, Rick. Hein. Non. Si, faire le compte sur les bloods éventuellement. Ça, tu pourrais me dire? Ouais, bah, y en a au sol. Ah oui, ramasser les petits sacs aussi qui sont un peu partout. Mais ça, on va faire ça en vidéo. Par contre, c'est vraiment, ouais, compter le nombre de bloods qu'il y a. Gigano vers moi. Hop. Prime. Blood. 3655. C'est tout? Ouais. Attends, je suis. D'un autre côté, je suis. Je suis encombré. Donc, Prime Gigano vers Prime Gigano. Prime. Prime Blood. Transféré. Zéro. Ah oui, parce que j'en ai dans mon inventaire. Non, 3882. C'est tout. Oui. C'est pas exceptionnel du tout, hein, malheureusement, mais bon, bref, on va faire avec. Hein. Bah là, il en reste 550 sur lui, là, attends, c'est pas possible. D'habitude, on était à 10 000 et quelques. Non, mais il en reste 550 sur lui, là. Oui, c'est... je viens de les renvoyer vers tous. Ah, tu les as donc répartis. Divisé en tous. D'accord, ok. C'est bizarre parce que 555 fois les 20 qui restent, c'est plutôt 10 000. Bon, on va essayer de s'arranger avec ça, les viewers. On va se laisser ici. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Là, au moins, il y aura un vrai combat jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, là, mon Gigano, là, je crois qu'il. Dans ce groupe-là. Ah bah voilà, 6000. Ça me plaît beaucoup mieux, là. Voilà. Là, j'aime bien entendre 6000. Là, ça me va. Là. Ils étaient trop loin aussi. Attends. Oui, peut-être qu'ils sont trop loin et du coup, ça marche pas trop. On va tout rapatrier, les viewers. Hein, super bien. On va tous se la remettre bien, au moins sur l'île, là. Et puis, comme ça, moi, ça sera clair pour nous. Du coup, on va se laisser, les viewers. Et puis, on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.